Donc, vous continuez par où? Vous avez, vous avez un petit pont là et un petit pont ici. Putain, j'ai tellement de fenêtres ouvertes que je retrouvais plus le plan quoi. Oui, oui, c'est ce que vous leur... Eh, vous le dites, hein, parce que moi, clic droit, je leur partage et vous l'avez devant les yeux. Non, c'est bon, ça me prend deux secondes. Moi, c'est bon, c'est rétabli aussi. Moi, je suis paumé dans les aides de jeu. C'est laquelle qu'on a distribué en dernier. La 7. C'est la 6, non? C'était la 7. 7, ouais, voilà, merci. J'ai vu que le Lord note en même temps, j'ai vu que... J'essaye, ouais. Ouais, j'étais au chiotte, j'étais voir sur le truc. Ça pose sur le... Sur le tableau blanc. Voilà, vous savez tout de ma vie. Ok, donc, ambiance, bruit, brouillard, pas de bruit, des choses étranges, des lettres qui vous tombent de vous ne savez où. Et vous essayez toujours de poursuivre une forme bizarre, fantomatique, encapuchonnée, qui tenait un crâne et une lanterne. Vous l'avez croisé deux, trois fois et vous êtes maintenant en train de vous resserrer de plus en plus au centre de la ville. Vous passez par quel petit pont? Le petit pont du nord. Nord-ouest, oui. Le petit pont du nord-ouest. Ok. Alors attendez, que je remette dans le bon sens. Donc là, 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 ici. Alors ici, voilà, où il y a mon cher Dr. Stevens. Vous tombez sur un arbre éboulé. Pardon, vous tombez sur un mur éboulé où j'étais en train de regarder ce que tu marquais sur le chat. Vous tombez sur un mur éboulé. D'où sort un arbre aux fruits mauves, des bouts de mur dont le poids fait ployer la branche. Et vous voyez sur une branche une main humaine encore crispée sur l'un des fruits. Cette main a été visiblement tranchée. Voilà. Donc c'est ça, hein. C'est une main qui essaie d'attraper un fruit. La main est... Le bras a été coupé, il reste la main qui est accrochée au fruit qui est bien mûr. C'est ça. D'accord. Quel est le fruit? Je vous l'ai dit, non. Une pomme? Non. Vous savez pas. C'est des fruits qui ont l'air mauves, mais vous avez du mal à reconnaître le type de fruit. Ouais, une aubergine, c'est mauve, mais c'est pas un fruit. C'est ça. Je sais que toi, te dire, tu n'arrives pas à reconnaître ce que c'est comme arbre, comme fruit, comme machin, comme truc. Ça devrait être un croisement entre des trucs que vous ne connaissez pas. Ça te paraît hyper bizarre. Bon, ça ressemble vraiment à des fruits, c'est pas un morceau d'humain. Ah oui, ça ressemble à un fruit, oui. Ça bon, bah ça va alors. Non, mais parce qu'on sait jamais dans cette ville avec des choses bizarres, donc... C'est clair. Ok. Mmh. Ok. Devant vous, en fait, hop. Devant vous, l'île, vous pouvez apercevoir, en fait, que ici, au milieu, se trouve un fort. Vous êtes devant des remparts d'un fort. Ok. Rendez-vous, vous êtes cerné. Tac. On va dire tac. Et on va dire tac. Ah, je peux dessiner des trucs bizarres. Et donc là, vous êtes devant les remparts, mais vous ne pouvez pas passer. Car apparemment, vous voyez au loin un petit ponton ici. Ah, pardon, un peu caché. Ici. Par contre, est-ce qu'on a fait ce quartier-là? Ah oui, il y a Yann Steven. Non. Mais non, tout ce qui n'est pas, tout ce qui est dégueu, tout ce qui est encore couvert, vous n'avez pas fait. Non, on l'a pas fait. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on contourne la forteresse avant de s'y attaquer? Finir les trois petites îles. Vous pouvez. Ouais, faire tout le tour de la forteresse avant de rentrer dedans. Vous pouvez. Par là. Alors attendez que je reprenne mon plan dans le bon sens avec le canal. Donc là. Sans le pont, il est au sud là. Ouais. Ok, alors attends. Faut juste que je reprenne mon plan dans le bon sens.
Canal, ok. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'on a... Ici, vous êtes déjà venu. Il y a ceci là qui ressemble à ça, c'est quoi? C'est ça, ok. J'ai pas mis mon point dans le bon sens, mais je crois. Oui, okay. J'ai fait. Ici, bah oui, je l'ai mis comme ça parce que ça, on a plus de place en fait dans ce sens là. Mais bon, ça va, je me repère. Ici, d'accord. Ici, au milieu de cette place, vous tombez sur. Abolas. Oui. Là où nous sommes, tous nos personnages, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien de plus. Okay. Non, il n'y a rien, que dalle. Ici, vous tombez, enfin, vous voyez en fait une ombre qui est projetée contre un mur. C'est une grande ombre qui apparemment n'a pas de cheveux, qui est donc chaud. Aux oreilles pointues, aux doigts anormalement longs, se terminant sur des ongles aussi pointus que des griffes. Propre les ongles ou... Bien pointus, tu vois. Tu vois l'image, pour vous donner une image, tu vois l'image de Nosferatu dans le vieux film, là, ouais. Tu vois l'ombre qui bouge toujours avec l'autre, là. Ben, c'est ça que vous voyez à peu près. Mm-hmm. Bah, on fonce dessus pour essayer de voir ce que c'est. C'est une ombre. Hein. En fin de compte, quand tu te rapproches du mur, tu te rends compte que c'était une ombre projetée par un bosquet d'arbres morts. Ah, comment tu t'es fait avoir? Et tu t'es fait avoir gentiment. Ouais, je deviens un peu parano avec tout ce qu'on a vu. De la paranoïa. Par contre, ce qui n'est pas de la paranoïa. ok. Ça y est, je sais déjà plus où c'est qu'on a été là, vous êtes deux jeux. On est à la 8. Oui, la 8. Vous n'avez pas eu la 8. Non. Pardon, je tousse. Pas tout seul, je crois. Hein. Ouais, j'ai ma femme derrière qui tousse. Ouais. Ah ouais, je me suis pas sûr que ce soit chez toi, mais... Si, c'est chez moi, c'est ma femme qui tousse. Ouais, on sent le docteur investi de sa mission, quand même. C'est ça. Donc, en fait, vous voyez flotter dans les airs, à côté, pas très très loin de cette ombre, des mots qui disent ceci. Tu nous appartiens, nous nous moquons éperdument de toi, nous ne voulons que l'or. Nous le voulons et le cherchons en hurlant. Pourtant, nous t'avons, de l'eau goutte à goutte, forme de la chaux sur toi. Le millénaire s'écoulera alors que nous attendons dans le noir. Les stalagmites se forment sur toi, tels des glaçons. Tu ne fais qu'un avec la pierre. Ta beauté est inutile ici. Tu resteras avec nous. Du coup, ça ressemble plus à... Homo modeste pour nous. Postumia. Hein? Ça te fait penser à Postumia. Oui, clairement. Avec la grotte. Ouais. Le fait qu'il soit inutile à un endroit perdu. C'est oh, chaud. Ouais, vas-y. Il n'était pas spécialement recouvert de calcaire ou quoi que ce soit. L'or. Bon, il y avait des statues. À un moment donné. Oui, beaucoup d'or et de dons, enfin des donations, quoi. Ouais, ah oui, c'est vrai, il y avait plein d'objets, ouais. La médaille. J'aurais dit c'était en or, de toute façon. Après, c'est pas le même ton qui est utilisé, quand même. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ce sont des personnages différents. Et tu voulais dire que c'était pas le même rapport non plus? Ouais, bah à chaque fois c'est une question d'amour. Et puis là on sent que c'est un peu plus agressif, quoi. Voir. Ouais. Oui, ouais, tout à fait. Bah, de toute façon, c'est que des écritures différentes aussi. Hein, donc... Ouais. Sacré truc. C'est un sacré bordel. Ok. Tout va bien, pour l'instant vous n'avez pas perdu de point de vue ou de point de santé mentale, tout va bien. Magie. Attends, j'attendais, ça fait longtemps que j'ai pas jeté. Oui, c'est pas un scénario non, où on jette des dés, t'inquiète pas. Par contre, on aura une sacrée gueule de bois demain. C'est ça. ok. C'est bon, mes chers.
Vous. Oh là oh là là, oh là, bah Ian Stevens, disons, il est arrivé sur la dernière île. Pardon, j'ai pas l'exfolé. Si tu veux, mais j'ai 2-3 trucs à te signaler avant. Oui, tu vas t'arrêter truc, ici, là, au niveau de ma truc. Là. Enfin, en fait, où c'est un peu scribouillé, c'est que j'ai repris le logiciel pour l'effacer, parce que j'ai pas de carte PJ pour ce truc-là. Ah, c'était des numéros, c'est ça. Il y a des petites lettres. C'est des petits numéros. Ici, vous trouvez. Écrit sur. Vous voyez encore des mots suspendus dans l'air qui ont l'air d'être écrits au sang et qui disent. Chair de ma chair, peau de ma peau, je t'aime de cet amour qui dévore tout, vie, âme, monde et temps, lorsque tu reviendras. Ayant vécu un millénaire de haine, de pouvoir et de folie, tu seras une simple note dans la cacophonie qui entoure le trône. Encore un message mystérieux, quoi. Carrément, là. Je suis de plus en plus perdu. Et, d'accord. Vous avez ici. Là, au milieu de la place, une statue de Madone. Et sous cette paisible sculpture, une mendiante a été marquée à coups de fouet et attachée là par plusieurs cordes qui la retiennent et l'empêchent de s'éloigner, mais pas de crier. Écoutez mes crimes, écoutez mes crimes. Qui vous montreront que ceux de toute mère sont tout aussi grands alors? Pourquoi mon fils ne pourrait-il pas être aussi le fils de Dieu? La femme est attachée, elle est complètement liée. Presque amarrée. Quel crime avez-vous à confesser? Tu ne te réponds pas. Un peu comme tout ce qui se passe ici, tu as du mal à rentrer en contact avec. Je m'avance et je lui demande, nous cherchons l'homme encapuchonné, l'avez-vous vu? Il connaît de grands secrets, mais n'en livre aucun. Cet homme dont les cheveux resteront bruns, il vous attend au pont du Grand Fort. Après, on s'en doutait un peu, maintenant qu'on a tout visité et qu'il reste plus que ça à aller voir. Mais bon. Faites-moi un jet d'intelligence. Ma brave, je lui donne une pièce, tiens. Vous savez, elle est attachée. Le jet d'idée. Le jeu d'idées qu'on fait quand. Bon, bah voilà. Okay. Voilà, Arthur, c'est ça. Je vous ai dit qu'elle était pas attachée, elle était comme. Amarée, c'est la marée. Ah, c'est la marée, oui, on peut lui demander. Ah la vache. Joli jeu de mots. On peut lui demander où trouver celui qui connaît les secrets de tous. Il nous a dit que c'était au pont du Grand Fort. Elle nous a dit. C'est ça. Elle vous l'a dit parce que vous lui avez demandé avec la bonne phrase. Mais bon, je vous ai juste là. C'était juste pour vous faire signe de la main. Vous entendez sonner 6 heures. J'ai plus mes cloches de sonnerie. Vous entendez sonner 6 heures à l'église aux cloches fondues. Ouais. Oh, ça va être l'heure du souper, peut-être, non? Oui, ça fait 3 heures qu'on se balade là. Ok. Quelqu'un a une barre de chocolat? Il y avait des grenouilles là-bas, mais on en a pas pris. Un truc violet aussi sur un arbre. Oui, mais j'ai pas cueilli. Vous allez où? Vous voyez sur le fort, vous voyez de l'autre côté du pont, en bas du fort, la silhouette apparaître. La silhouette donc, que vous avez vue au début sur le quai. Apparaître. Et qui a l'air plus ou moins de vous attendre. Alors, on y va. Et bien qu'on arrive. Oui. Cette silhouette. C'est juste on prend notre temps, mais on arrive. Plus c'est long, plus c'est bon. Sur. Quand vous passez le pont, il y a un miroir qui est posé à même le pont, comme ça. Et sur ce miroir. Et graver quelque chose. Et graver quelque chose. Qui est ça? Tu veux dire sur le cadre, tout non, autour non, ou sur le miroir, carrément. D'accord.
Tous ceux qui disent que tu m'aimes ne savent pas ce qu'est l'amour. Tu es affamé de pouvoir. Tu aimes ton propre reflet. C'est cela que tu vois en moi. Seul mon maître comprend ce qu'est vraiment l'amour. Une faiblesse à exploiter, un pouvoir à drainer, une maladie à éradiquer. Seuls les mortels peuvent aimer, car seule la mortalité permet de tirer un bref instant de sens de l'indifférence constante qu'est la vie. Je te le dis, personne ne m'aime vraiment, sinon ma beauté le consumerait. Tous ceux qui m'aiment vraiment en meurent. Oui, ça, c'est pas ce que la philosophie. Vous êtes donc sur ce pont de pierre qui surplombe les douves formées des canaux qui entourent l'énorme forteresse en forme d'étoile. Vous avez l'homme que vous avez rencontré, enfin la forme que vous avez rencontrée au début sur les quais, qui a l'air de vous attendre de l'autre côté du pont. Et il vous regarde et vous l'entendez dire enfin. Et vous voyez qu'il se détourne un peu et qu'il rentre à l'intérieur de la forteresse. Vous faites quoi? Le miroir se transporte. Pardon? Est-ce qu'on peut transporter le miroir? Ouais, c'est un gros miroir, mais oui, tu peux le transporter si tu veux. Ah oui, ça passe, d'accord. Non, mais là, tu peux. Mm-hmm. Dans le miroir, on se voit nous-mêmes. Hein. Bah, par-dessus les écritures, oui. Vous voulez un coup de main, monsieur Stevens, pour transporter ce miroir? Eh, on va pas le péter. Après, ça va être difficile. Pourquoi pas, J'ai une impression que ça pourrait nous être utile. Vraiment une vague impression. Qu'est-ce que vous faites? Parce que là, pour l'instant, moi, je vous considère toujours au début du pont et la forme, elle, part. Elle part. Dans la forteresse. Ouais, dans la forteresse. Eh bien, équipé d'un miroir fatal, nous avançons, mes amis le veulent bien en tout cas, sur ce ponton, traversons pour entrer dans la forteresse. Ok. Vous remarquez que les portes grilles et portails s'ouvrent au contact de la forme. Il n'a pas besoin de lever la main, vous voyez que ça s'ouvre. Il vous conduit vers la plus haute tour en prenant les escaliers, parfois droit, parfois en colimaçon. Gladys, quand tu commences à monter les escaliers, tu te sens essoufflé. Yann, tu as mal à la jambe gauche. Bras gauche. Le bras gauche, bien joué. Et on a tous les morceaux, c'est bon. Oui. Non, il en manque un. Ça doit être la jambe droite. Il manque une jambe. Pour la jambe. Qui c'est qui avait pris la jambe droite? Ah bah c'est toi encore? Non, c'est... Ah non, c'est le Lord. Attends. Non, c'est Vincenzo. Non, Vincenzo, j'arrive pas à lire son. Ah, c'est Reggiani. Reggiani, ouais. Oui. C'est toi qui avais la jambe droite? Je sais plus. Je me rappelle plus. Ah si, c'est toi qui avais fouillé dans le trésor. Donc, enfin, dans... Donc je reprends. Oui. Donc je reprends. Donc toi Vincenzo, quand tu montes, tu as ta jambe droite qui te tiraille. Gladys, elle a t'as le souffle coupé à partir des premières marches. Yann, t'as mal partout de toute façon. Et la jambe et la tête et le bras. Tu vois, tu ressens les douleurs que dont t'as l'habitude. Mais qui sont supportables? Oui, toujours. C'est supportable, oui, mais ça te tire. Ça se rappelle à moi. C'est ça. Et donc, il vous conduit vers la plus haute tour, en prenant des escaliers, parfois droits, parfois en colimaçon, des échelles et des rampes, avant de sortir sur le toit. Vous arrivez en haut et la ville est à peine visible d'ici, se détachant sur la nappe de brouillard. L'inconnu se retourne vers vous et il sort à nouveau son crâne et commente « L'esprit est comme la forteresse, non ? Solide en apparence, facile à défendre, contenant des réserves et des entrées, mais aussi vieux et fendillé, fragilisé par les fissures laissées par le temps, abandonné par certains et conquis par le moindre attaquant. » D'accord. Donc psychologue, éminent psychologue... Je partage tout à fait votre point de vue, cher.
chers collègues. Voulez-vous enfin avoir les secrets du simulacre de CDFK révélés? Évidemment. Maintenant qu'on est là. Il y a quelque chose qui me dit que ça va pas être si simple. Oui, et quel est le prix des renseignements surtout, parce que je commence à me méfier des gens qui... Comme vous, j'ai demandé autrefois à posséder le savoir. Tous les savoirs. Mon vœu a été exaucé. Je peux partager cela avec vous. Ce sera à vous de le garder et de le sauvegarder. Et je serai. Vous voyez, mes amis, il me faut vous prévenir. Vous avez sûrement remarqué mon ami blanc et silencieux que je garde précieusement avec moi. Et là, il lève le crâne dont les orbites vides semblent vous fixer. C'est le mien. Il ne pouvait contenir les savoirs que je voulais qu'il contienne. Alors, asseyez-vous, installez-vous confortablement, et je vous dirai tout ce que je sais, et je vous chargerai ainsi du fardeau qu'est la connaissance. Prudent, je veux bien m'installer. Vous faites quoi? Et si vous partagez les connaissances, alors que nous sommes quatre, les connaissances sont partagées en quatre ou... Je peux vous fournir la connaissance pour tous les quatre. Bon, après, si le problème, c'est que s'il y en a un qui vient à manquer, il manquera un goût. Donc, ouais, je m'installe en étant méfiant sur ce qui pourrait nous sauter dessus. D'accord. Moi, j'ai pas envie de ressembler au crâne. Mais bon. Vous écoute. Ok. Il commence à vous parler de choses dont vous n'arrivez pas à comprendre, que vous ne sembliez pas connaître l'existence. Et il se forme alors une nuée de mots qui s'échappent de sa bouche en un noir torrent, qui viennent virevolter autour de vous et leur signification se terre dans vos esprits, marquant vos neurones de vision, de vide cosmique, de l'insignifiance du genre humain, de la vraie nature du centre de l'univers et de la terrible expansion de quelque chose qu'on appellerait les grands anciens, qui se retournent lentement, très lentement, dans leur tombe froide, attendant que la terre refroidisse et qu'ils puissent y revenir. Que faites-vous? Il y a à peu près 30 secondes que vous écoutez tout ce flot de paroles. Il vous parle de choses auxquelles vous avez du mal à comprendre. Voici maintenant une minute qu'il vous parle de tout cela, où vous prenez tous les mots et tous les sombres secrets et d'accord. Vous me perdez un point de santé mentale et vous me gagnez un point de mythe de Cthulhu. Et écoutez, vous avez vos crânes qui tressautent et qui cherchent à échapper au savoir maudit qui déforme vos cerveaux. Et là, vous savez plus s'il faut. Ouais, voilà, Vicente. Vous savez plus ce qu'il faut que vous fassiez. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez d'écouter ou pas? On commence. Des gens vous. Ah ouais. Bingo. Comment ça se fait? Oui. Oui, tu ah ouais, m'as d'accord. Perdu ah oui, c'est une indif. Ah oui. Oui, non, j'ai mal marqué le. Mais ça me paraît bizarre parce qu'on avait remis. Ouais. Moi j'essaye de me lever pour partir. D'accord, voilà. Ok. Je pense qu'on en a assez entendu. Il suffit je pense que ça ira, là. Il te regarde et il fait vous êtes perdu de toute manière. D'accord. Si vous n'êtes pas de retour dans vos lits avant l'aube, vous êtes condamné à parcourir sans fin la nuit éternelle qui règne ici, comme nous tous. Mais on choisira notre perte plutôt que de l'impose. Faites-moi un jet de san. Le cran. Oh là, il y a des gens qui faillent. Oui, il y a des gens qui faillent. Il y a que des gens qui faillent. Il y a que... Ah non, sauf ouais, ceux qui réussissent pour tout ce que vous avez vécu pour l'instant, vous pouvez me perdre 2 points de san.
Et les autres. Là, je retire deux, c'est ça? Ouais. Bah, ceux qui réussissent. Ouais. Et les autres, ceux qui ont échoué. Vous me perdez. Pff, je suis déchaîné. Vous me perdez 3 points de Sam. J'ai pas mal. Ça aurait pu être pire. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on a des indéfinis de sanity? Non, on n'a pas tout. Tout le monde va bien? Personne? 3, oui, 4. J'ai perdu 4. Non, ça d'accord. Va, ça va. 4, ouais. À partir de 5, c'est ça. Vous voyez le brouillard qui s'éclaircit à l'est. Vous entendez les cloches qui sonnent 7 heures. 7 étant un nombre magique. 7 coups pour révéler la série, la vérité. 7 coups pour faire venir l'aube. Qu'est-ce qui se passe? Il faut aller à la gare. Oui, je pense qu'on va se dépêcher d'aller à la gare. Vous entendez distinctement le sifflet d'un train. Tout, tout, au loin. Tout, tout. Oh, super bien. Non, attendez-nous. Attendez-nous. Alors, je cours. Pour quitter cette tour. Hein, et s'éloigner de l'inconnu qui parle encore, et pour rejoindre les rives et puis les rues, vous commencez déjà par me faire un test d'intelligence pour vous souvenir du chemin qui les ramène qui vous ramènera à la gare. Pour moi, vous prenez vos jambes à votre cou. Hein. Oui, c'est par là. Oui. J'ai une petite question, nos valises et notre malle, ils sont où là? On les a traînés avec nous. Vois pas là. D'accord. Alors, attends. On était censé les savoir normalement. Mais pour l'instant, tu les vois pas. Ouais. D'accord, ok. Je me suis pas énervé, hein. Je dis ça. Je t'ai pas engueulé, non, pardon, désolé. Non, t'inquiète. Voilà, c'est juste que j'ai un truc à gérer. Le Lord. Oui. Tu as le droit de, t'as le droit de relancer, hein. N'oublie pas. T'as failli tomber ton test d'intelligence pour retrouver ta. Oui, mais non. D'accord. Moi, je me souviens, moi. Tu commences à perdre du terrain. Donc, en gros, si je décide que vous êtes ici, que vous êtes tous les trois. Ah, mais j'abandonnerai pas mon frère Edouard. Attends, non, je le rattrape. Attends. Pour l'instant, on va dire qu'il est juste il a juste perdu un tout petit peu de terrain. D'accord? Je suis un peu plus âgé, c'est normal. Voilà. Vous sentez le poids de tout ce que vous avez vu dans cette ville qui veut malheureusement vous retenir, et faites-moi un jet de volonté pouvoir. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont loupé? Régular, hard success. Oh putain la vache. Ok, d'accord. Donc vous continuez à avancer, vous arrivez, hop, vous arrivez, on va dire, vous passez par là. Ici. Le Lord est toujours un peu en retard. Ok. Il faut que vous sautiez par-dessus des barricades, que vous êtes. Pardon. Il va falloir que vous fassiez un test de. Pardon. De constite, car vous êtes complètement crevé, vous avez très peu dormi, vous en pouvez plus, vous cherchez votre chemin, vous sautez par-dessus les murs et tout, vous entendez bien que le train va partir, vous savez pas si vous arrivez. Oh putain. Si vous allez y arriver à temps, vous avez le droit de relancer. Hein. Sachant que, attention, voilà, vous avez le droit de dépenser de la chance. Vous avez le droit de dépenser de la chance, de relancer, attention quand on relance, ce qui se passe. 1, 2, 3, 4. Pas de succès, c'est bon. Eh ben non. Ok. Vincenzo se retrouve avec le Lord. Il s'est perdu un peu, il a eu du mal à. Pardon, pas Vincenzo, Ian Stevens, pardon. Peut-être moi, c'est vrai. Ouais, mais moi aussi, j'ai raté. Ah, toi aussi? Tu relances, tu fais quelque chose ou pas? Non. Donc, hop, en fait, Gladys, tu te retrouves un peu toute seule. Tu les vois derrière toi, mais. Tu sens que les trois hommes sont à la peine derrière. Faites-moi. Vous êtes. Ne nous attendez pas. Vous arrivez ici. Courez. Ouvrez le chemin. Vous arrivez ici. Les trois retardataires, là. Tout le monde me fait un jet de dexte. Je m'en mêle pas les pinceaux, j'aurai de la chance. Ok. Alors. J'ai raté. Vincenzo. Alors attends. Je vais dépenser ma chance si je peux. Alors que le Lord reprend la tête à la corde. C'est ça. Alors, avec un sorti, est-ce que quelqu'un a fait trois échecs là depuis qu'on est parti de la tour? Deuxième pour l'instant. Deuxième échec. Ouais. Ok, donc Ian Steven est clairement à la traîne derrière vous. Moi, je me suis fait doubler dans les barrières.
Oh, en même temps, t'es pas sportif, t'es voilà. Intellectuel. Il a du mal. Ok. Vous allez me refaire un jet de dex pour finir et retourner jusqu'au train. Car là, il y a encore des barrières, des machins, des trucs. Oh, c'est le troisième que je rate là. Oula. Échoué. Fail. Alors, Yann, c'est le troisième que tu rates. Oui. Vincenzo, c'est le troisième que tu rates. Est-ce que vous relancez ou profitez de votre chance? Non, je vais relancer. De toute façon, je risque plus rien personnellement. D'accord. Pareil. Ah bah voilà. Ok. Je dépense un point de chance. Tu peux. Possible encore sur le deuxième jet? Normalement, c'est pas possible. C'est soit tu. D'accord. Ouais. Oui. Enfin, après, okay. C'est le MJ qui décide. Donc, je dirais. Non, c'est pas possible. Marche. Ok. Vous arrivez tous les trois. Donc, soit c'est ton troisième échec, Yann Steven. Tout à fait. Vous arrivez tous les trois sur les quais. Au moment où le train démarre, alors que la vapeur siffle et que les roues commencent à tourner, tous les trois vous arrivez à sauter à bord, vous retournez, mais vous ne voyez pas Yann Steven. Les cloches sonnent 7 heures. Quand vous faites quoi quand vous arrivez dans le train? Je tire la sonnette d'alarme. Oui. Je sais pas si ça existait à l'époque. Si, ça existait. Ouais, c'est pas pour ça que le train s'arrête. Le train vous paraît totalement vide. Le train est vide? C'est pas le même train que... Bah, je sais pas. Enfin, je sais pas. Bah, si, je sais, mais... Bah, oui, d'accord, mais est-ce qu'on voit personne dans le train? Enfin, les chefs de wagon, est-ce là, que vous remontez à votre cabine, à vos chambres? Oui. C'est alors, le simple ou... Alors... Laël, est-ce que tu peux switcher, s'il te plaît? Ça évitera tout le monde de switcher. Ouais. Switcher de chaîne et je viens de chercher quand on a fini. Et t'as l'interdiction de regarder le stream, il est pas. devant vous, vous voyez, en fait vous voyez, vous-même, dans votre lit, bien installé, au chaud et en sécurité. Le Lord, toi tu remarques qu'il n'y a personne dans le... Tu vois personne dans le lit, tu te vois que toi dans le lit, tu vois pas Ian Stevens dans le lit. Par contre, Gladys et Vincenzo, vous voyez dans le lit, dans les Saint-Pont Express. Faites-moi un jet de San. Vous êtes complètement désorienté, vous comprenez pas ce qui se passe. Non, mais je pense que c'est une désynchronisation. Oulala. Gladys, tu vas me perdre. On a perdu Gladys. Non, peut-être pas. Non, je peux me faire encore quelques autres indéfinites insanity. On sait jamais, je vais non, les tuer. Ça fait pas ça, faut pas regarder ce que j'ai mis. 3. Tu perds 3. Je me suis mal émergé. J'ai fait 3 sur moi. Ouais, je voulais faire un des 3 et j'ai fait 3. Il correspond à moins 2 si tu fais un des. C'est moi qui merde. Mais t'as perdu 3. T'en es à combien là aujourd'hui? Attends, 3. Je vais être à 7 points de perdu. Aujourd'hui? Oui. Oui, donc c'est pas bon. Fais-moi un jet d'intelligence et on gérera après. Il faut que tu le... Youhou, c'est ça. Ok. Oh, j'ai rien compris à ce qui se passait, c'est sympa. Par contre, tu perds quand même ta sane. T'en es où dans la sane? 27. Ok, d'accord. Bah, j'ai enlevé les 3 que tu m'as dit d'enlever. Très bien. Vous tombez au sol, vous effondrez et vous reprenez conscience dans votre lit. Alors que la porte s'ouvre violemment. Et je vais voir Ian Stevens et je reviens à tout ça. Ok. Hop. J'ai switché avec la L. Channel left your channel. Oui. Tu erres, casse la figure. Tu erres dans cette ville pendant tu ne sais combien de temps. Et tu finis par t'évanouir en cherchant la gare et tes amis, complètement affolé, complètement perdu. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Toute cette connaissance, tout ce qui vient de t'arriver dans cette ville, t'a complètement rendu
complètement hagard. Tu sais que tu as loupé le train et tu sais pas comment tu vas t'en sortir. Et tu te sens perdu. Fais-moi un jet de San. Tu te sens complètement, complètement ailleurs. Ouais. D'accord. Ok. Ah, je garde ma tête froide. On va re-switcher de l'autre côté. Ça marche. On va voir ce qu'on fera, ce qui va arriver à ton perso. Alors. Voilà. Vous réveillez. Alors, 1, 2, 3. Gladys, Vincenzo et le Lorne. Vous vous réveillez et vous reprenez conscience dans votre lit. Alors que la porte s'ouvre violemment et que. Et que le pardon. Et que le. Merde, le. Oh putain, je suis plus bruyant, toi. Le conducteur de nuit. C'est le conducteur de nuit qui ouvre la porte. Et enfin le responsable du wagon qui ouvre la porte, qui est toujours là. Et il est 3h10 et il vient vous dire que votre train est arrivé à Zagreb, votre destination, et que vos bagages vous attendent sur le quai. Ah non, moi je ne veux pas recommencer. Hein. Le lord, tu vois par la plus grande de tes surprises, que t'es sûr qu'il n'était pas rentré. Tu vois Ian Stevens qui est endormi profondément dans son lit. Je le secoue. Il se réveille pas. D'accord. Il est 3h10, vous arrivez à Zagreb, c'est votre destination. Est-ce que vous pouvez remonter nos bagages? On s'arrête à Belgrade et pas à Zagreb. Ah, attendez, je vais vérifier les instructions. Ah oui, effectivement, il y a une erreur, les numéros de cabine sont faux. Je suis vraiment désolé, je vous présente mes excuses. Le simplon fera un geste pour vous. On va chercher vos bagages et on va les remettre à bord. Et nous prendrons la route ensuite pour Belgrade. Et en allant à la fenêtre dans le couloir, est-ce que je vois quelque chose? Ouais, tu vois une silhouette qui lève la main. Qui semble te dire au revoir et qui a dans l'autre main un objet blanc que tu supposes être un crâne. Ça me dit étrangement quelque chose. C'est ça. Il vous ramène les bagages dans votre cabine. D'accord. Je retourne voir monsieur le professeur Stevens. Son état m'inquiète un peu. Tu n'arrives pas à y dormir. Comment on avait fait pour se réveiller à Lausanne? Pardon. Oh, je me rappelais plus. Si on lui met des beignes, il se réveille pas, non? Non. Je vais chercher un bout de parmesan dans la cuisine, j'essaie de le réveiller en lui foutant du parmesan dans le trou de nez. Du parmesan. Ouais, c'est un peu fort quand même. Non, ah, ça ne réveille pas. Bon, il est catatonique. Ça n'a pas l'air de le réveiller en tout cas. Il vous rapporte les bagages et le train... Le train va repartir en direction de Zagreb. On s'était injecté quelque chose, non? Ouais, faut que je me... Pour y aller plus... Ouais, le truc onirique, là. Pour revenir... On s'est tué, ou... J'arrive pas à trouver Lausanne. Mais c'était... On avait agi dans le monde onirique, donc... Ouais, c'est vrai. Faites-vous. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. Pardon. Oui, on t'entend. Ouais.
suivi ce qu'on avait fait. Moi je dors. Ah toi tu dors jusqu'à prochaine jusqu'à nouvel ordre tu dors. Entendu. Ah, tu peux aller te faire un café. Oui, je vais m'absenter 5 minutes. C'est... Pas le roleplay à fond. À tout de suite. De toute façon, on n'a plus du produit qu'on avait utilisé à Lausanne. Je crois que Yann Steven avait tout récupéré, mais... J'arrive pas à me souvenir comment on était revenu en fait. Moi non plus. Vous aviez utilisé... vous étiez parti avec de la drogue et... Ouais, il y avait une porte. Oui. Il y avait une porte. Quand on était revenu, ouais, il y avait un portail. Mais donc du coup, le seul qui peut revenir, c'est lui. Enfin, c'est sinon, lui. Je sais pas comment... Comment on peut l'aider, ouais. Ok. Vous avez une idée, monsieur Reggiani? Non, non, j'essaye de chercher qu'est-ce qu'on a qui pourrait nous aider. Mais... Alors, surtout que là, en fait, vous allez dormir, hein, plus ou moins. Sans vouloir vous obliger. On a passé toute la nuit à courir partout dans une ville, semble, c'est sûr ouais, que. Semble, ouais. Par contre, ce que vous êtes sûr, c'est que vous avez. Oui, on est fatigué. Est-ce qu'on est fatigué physiquement ou, Ouais. Non. Non mais tout a dû se passer dans la partie onirique là, je pense. Mais oui, clairement. Mais le problème c'est que monsieur Stevens, il est coincé là. À mon avis, je pense pas qu'on puisse aider, va falloir qu'il fasse de lui-même. Ouais, je pense aussi, ouais. Bon bah on retourne se coucher, en espérant qu'il trouve un moyen de s'en sortir. Gladys était avec qui dans la dont vous étiez? C'était Yann qui était avec le Lord dans le non? Oui non, c'est moi qui étais avec Yann. Ouais, Lord. Non, c'est moi j'étais avec Yann et toi t'avais Reggiani qui ronfle on avait. Ah oui tout à fait. Pas qui ronfle. Donc, alors, attends, qu'est-ce qu'on a dit? Reggiani qui ronfle, ok. Quand le Lord et... Vincenzo et le Lord vous rentrez dans votre cabine, enfin, vous retournez dans votre cabine, quand vous êtes réveillé, on vous a ramené la malle et vos bagages et tout, et Vincenzo, tu te retournes, et en fait, dans ton lit, c'est comme s'il y avait quelqu'un en dessous les draps. Ah bon? Je tire la couette. Tu vois les parties du simulacre qui sont disposées sur ton lit. Je mets ma main, savoir s'il a chauffé un peu le matelas, si c'est utile ou pas. Oui, ça chauffe un petit peu. Non, c'est vrai? Non, je déconne. Ça s'appelle pas une pierre dans un scénar, c'était dans les fungi où il n'y a pas une pierre qui chauffe, je sais plus quoi. Ah oui, c'était le blue. Chose, avec vous. Ah oui, c'est ça, ah oui, le... ouais, t'as raison, ouais. Le jean bleu. Le jean bleu. Le jean bleu, ouais. Pardon. Ouais, bah, tu... On pourra faire la prochaine avec toi, on sera des private jokes aussi. Tu seras là pour la prochaine. Bah, du coup, je sais pas, je prends les pièces et puis je les remets dans la malle alors. Sans problème. Faites-moi un jet de, j'allais dire de smell, mais non, de smell, de sentir, putain, de smell de chaussures, mais non, putain, n'importe quoi, comment ça
Comment on pourrait chercher ça? Je sais pas, ça serait track ça, piscine. Non, enfin, je sais pas. L'odeur. Il n'y a pas. Si, il doit avoir. Tu veux du parmesan ? Non, je veux pas de parmesan. C'est déjà fait ça. Faites-moi un toc, tant pis. Pour aller me prendre ma tête. Un toc olfactif. Un toc olfactif. Mais si. Oh là là. Bon, c'est pas le Lord. En pleine forme. Mais je dors, moi. C'est ça. Parti se recoucher. Vincenzo. Vincenzo, il a dit que vous sentez que ça sent comme la terre qu'on aurait fraîchement retournée. Ok. Dans notre vague. Bah, ça me fait poser un cimetière tout de suite, du coup. Mais. Il n'y avait pas de traces suspectes qui traînent. Non. Vous faites quoi? Pique le stéthoscope de Ian Stevens et j'essaye d'écouter s'il est toujours vivant. Ah oui. Parce qu'il a sa mallette de médecin normalement. Toujours. Il a pas que le pendule dedans quand même. Oui, oui. Après, je sais pas si je vais m'en servir, mais bon, admettons que je sais. Pour voir s'il a l'air juste endormi ou s'il y a quelque chose de plus grave que ça. Bah, je te concède le fait que t'as pas besoin de faire un jet de médecine ou quoi. Hein. Tu sais ce que tu fais. Ouais, je l'ai bien regardé quand il s'en servait. Ouais, voilà, ouais. C'est pourquoi ? Pour voir si t'entends le cœur battre ? Ouais, enfin, pour voir s'il a l'air juste d'être endormi ou s'il est vraiment ralenti et qu'il est pas. T'as vraiment l'impression qu'il dort en fait. Ça me rassure un peu quelque part, mais bon. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'impression. Et si je l'ouvre la paupière, il y a l'œil qui regarde quelque chose. Non, mais exactement comme s'il était endormi, donc non. Moi je me réveille et je vais dans le couloir et j'appelle le garçon de wagon. Est-ce qu'il est là? Ouais. Je lui demande un verre d'eau et je lui demande s'il y a d'autres personnes qui sont réveillées dans le train. Bien écoutez, non, pas pour l'instant, sachant que nous allons bientôt faire un arrêt à Vinkovci, sur les coups de 6h15. Et là, actuellement, non, on n'a personne à réveiller et personne n'est réveillé. Et vous avez quelle heure là? Là, il est. Je vous ai dit qu'il était. C'est pas de bêtises. Il est 4h du matin. 3h10. 3h10 3h10. Ça correspond. Attends, 3h30, ils ont quitté Zagreb, donc là il est 4h. Ouais. D'accord, mais ça correspond à ce que j'ai sur ma montre. Oui. Ok. C'est juste. La trotteuse, c'est bon du coup? Oui. C'est pour vérifier une théorie, c'est jamais. D'accord. En désespoir de cause, je prends le pendule de Dr. Stevens et je lui mets dans la main en me disant bah, peut-être ça va lui servir à quelque chose. Ah, c'est beau. On croyait qu'on allait perdre Gladys en premier, finalement, c'est pas Gladys qu'on a perdu. Si, c'est elle. Parce que le professeur Stevens est indissociable de son pendule. Donc voilà, là maintenant, peut-être que même dans le monde où il est perdu, ça va l'aider. Donc, que faites-vous jusqu'à 6h15? Enfin, jusqu'à plus tard, vous n'arrêtez pas à Vinkovci, vous. Non. Je veux savoir ce que vous faites pour la matinée, à l'ouest, toujours à l'ouest, Trifon.
Non, c'est les Dupont et Dupont. Ouais. Encore plus à l'ouest. Je les ai vus il n'y a pas longtemps. Ah ouais, il dit ça aussi. Et oui, dans quand il recherche, je ne sais plus qui, avec le pendule de Trifon. L'affaire retourne au sol, je pense. Excellent. Vous êtes donc dans ce train et il est donc tôt le matin. Alors, on en a un qui dort. Et les autres, vous faites quoi? Sachant que normalement... Alors attendez que je regarde l'heure que vous êtes prévu d'arriver à... Je ne sais plus. Mmh. 9h, t'avais dit. Ouais, 9h, ouais, ça. Mmh. C'est ça. Vous faites Vinkovci et après... après ouais, c'est... Ok. Vous dormez, vous dormir pendant ce temps-là ou... Bah, je crois que si je trouve pas d'idée pour réveiller Monsieur Stevens, oui, je crois que je vais dormir un peu en fait. En espérant que ça me porte conseil. D'accord. Donc tout le monde dort? Bah, si on y arrive à dormir après tout ça, ouais. Ouais, enfin, vous arrivez plus ou moins à essayer d'évacuer ça dans votre tête et. Et d'un coup le train ralentit fortement, stoppant quasiment, puis reprend sa route au pas, ce qu'il vous réveille. Quand vous ouvrez les yeux et que vous voyez dehors, les champs sont recouverts de neige. Il est, quand vous regardez votre montre, il est 6h15, et là le train avance tout doucement. Moi, je me lève, moi. Ouais, quand tu sors dehors, que tu ta porte, il y a des gens qui sont là. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait du surplace? On devait s'arrêter à Vinkovci, mais on s'arrête pas. Et le temps passe jusqu'à 8h30, à peu près. Alors, à moins que vous fassiez autre chose. Comme dame, vous me dites. Non, j'essaie de voir si monsieur, j'arrive à réveiller le professeur Stevens. Non, tu n'y arrives pas. Il est 8h30. Là, vous êtes plus ou moins obligé de vous lever, de vous réveiller, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment énervés, des passagers qui commencent à se plaindre. Le chef de train qui passe dans chaque cabine, qui s'excuse pour le délai. Il explique que ce délai est causé par un problème mécanique à Vinkovci. Vous entendez les gens qui continuent à grommeler dans les wagons. Il y a le contrôleur qui fournit des journaux, y compris il y a des exemplaires vieux de plusieurs semaines du Cibalis, qui est un journal du coin, qui est donc écrit en croate. Il n'y a aucun journal en anglais? Si. J'en prends un, puis j'essaie de lire les nouvelles qui sont les plus récentes. Ouais, alors t'as pas grand chose de... Enfin, je ressorte mon truc de ce qui s'est passé à cette époque-là, mais pas grand chose de... qui puisse t'intéresser, on va dire. Alors, petit détail technique, j'avoue, là j'ai sauté un scénario parce que... Enfin, on est sur le scénario suivant. Donc du coup, c'est pour ça que je suis un peu... Je vais reprendre mes marques. D'accord. On a fini un scénar, on est passé, le scénar d'avant était vraiment court et donc on passe à un autre. Ok, vous avez le professeur, vous avez Ian Stevens qui dort toujours. De toute façon, si on n'arrive pas à le réveiller, ça va être compliqué. T'as essayé de donner des buffs déjà, Vincenzo, c'est ça? Ouais, oui, des buffs et du parmesan. Il y a des gens qui prennent le journal, prennent le journal du coin, et qui le lisent. Enfin voilà. En fin de compte, vous êtes dans la situation où vous savez quand les gens s'énervent dans les trains parce que ça avance plus là. C'est exactement ça. Quoi. Pourtant, c'est pas de la SNCF. Non. Ah ouais, en même temps, c'est normal quoi. À 9h14.
L'Orient Express arrive enfin en gare de Vinkovci. Attendez, est-ce que je l'ai ce charmant petit village? On le fera après. Le chef de train fait une annonce en arrivant à la gare. D'un ton calme pour calmer un peu les gens, enfin pour minimiser la panique des gens, et il dit en anglais et en serbo-croate: Mesdames et messieurs, un incident provoque un retard inévitable. J'ai le regret de vous demander de descendre du train. Veuillez préparer vos passeports. Et là, les passagers commencent à faire la queue pour descendre du train et pour que la police inspecte les papiers. Donc on vous demande de ranger vos affaires et de vérifier les papiers. Comment on va faire avec le professeur Stevens? Il dort, hein. Ah oui, mais s'il faut qu'on le descende, il nous faut un fauteuil roulant, du coup. Ah, ce bon vieux fauteuil roulant. Ian Stevens, tu ouvres un œil. Qu'est-ce que c'est? Tu commences à émerger. Et vous allez bien, professeur? Où est-ce que je vais bien? Tu es un peu perdu, désorienté. Ah oui, il est quelle heure? On est où? T'as l'impression d'avoir on fait est arrivé? T'as l'impression d'avoir fait un très long et très mauvais rêve. Eh, rassurez-moi, nous ne sommes pas arrêtés à Zagreb. Non, c'est bon, on a déjà passé Zagreb. Je suis très soulagé d'entendre ça. Quelle heure est-il? On est quel jour et on est où? Mais que vous est-il arrivé quand on a pris le train? Vous n'étiez pas avec nous? Carrément pas. Je me suis perdu. J'ai pas réussi à vous rattraper et le train est parti sans que je ne serait-ce que même le retrouver. Et une fois son sifflement perdu dans les brumes, je me suis complètement perdu dans la ville. Et j'ai... On n'a pas pu l'arrêter. Hein. On n'a pas pu l'arrêter. C'était impossible. Et comment avez-vous réussi à vous réveiller? J'avoue que je ne sais pas. C'est foutre, ouais. Je suis sûr que c'est grâce au pendule. J'avais raison. Ah oui, mon pendule. Ah, merci. Mais ce n'était qu'un mauvais rêve, tout ça. Ce qui est bizarre, c'est que je pense que nous avons fait tous le même rêve, professeur Stevens. Et les mauvais rêves se partagent rarement. Ça ne me rassure guère. Vous avez un officier qui rentre dans votre cabine, qui vient vous chercher et fait... S'il vous plaît, on vérifie les papiers. Passeport. Oui. Oui, bonjour, officier. Le voilà, mon. Il arrive à te bredouiller de l'anglais. Faites bredouille. Il a combien, lui? Ouais. Je lui présente. Il bredouille de l'anglais. Allez voir, capitaine, avec passeport. Et là, sur les quais, t'as un officier qui a l'air d'être là à vérifier tous les passeports. Okay, bah allez je voir suis... capitaine Velimir Karkunica, je pense. Ouais. Bah, on doit descendre toutes les affaires, si j'ai bien compris. Ils nous font descendre carrément. Oui, je sais bien ce qu'ils ont dit. Oui. Ils ont dit on vérifie les papiers, vous descendez toutes vos affaires. Mais d'habitude, ça se passe pas comme ça. Ils montent chaque arrêt. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas normal, oui. Je demande à l'officier qui était venu ce qui se passe. Ah non, voir. Vérifie papier. Il vérifiait les très papiers. Il parle pas assez bien anglais pour te comprendre, donc. Oui. C'est juste un problème de langage. Oui, peut-être qu'il a pas envie. Ok. Je suis le mouvement et je m'exécute. Je comprends pas trop bien ce qui se passe. Je présente devant ce capitaine, Velimir Karkunica. Et qui vous demande avec un anglais somme toute basique vos papiers. Bah, je vous présente aussi mon passeport. Qui vous demande à chacun d'entre vous, avez-vous déjà visité la région? Non. Nein. Quelle est votre profession? En même temps, il écrit. Éminent spécialiste en psychologie. Là, j'en ai une très bonne attention. Appartenez-vous au Parti communiste?
Moi, je rigole, forcément. Je suis Lord Anglais. Eh bien, non, je... Arrête de raconter n'importe quoi, Edouard. Tu vois bien qu'il est sérieux. Tu vas pas lui raconter des bêtises, Lord Anglais, n'importe quoi. Non, non, ne fais pas attention à ce que dit Meshach Gladys. Faites-moi un jet de chance. Attends. Pas tous. Attends, je réfléchis. Le Lord, fais-moi un jet de chance. Oh, c'est bon ça. C'est bon ça. Tu peux leur jeter. Est-ce que je prends le risque? Allez, oui, je suis joueur. Oh, bah oui. Gladys, quand ton frère présente ses papiers au capitaine Karkunika, tu vois clairement. En fait, quand il les présente, le capitaine les fait tomber. Et il se présente devant toi, devant tes pieds, dans le bon sens. Tu vois là, tu vois marqué Lord Richard. Putain, j'ai pas ton nom entier, je sais plus. Lord Richard Greville, avec l'adresse, tout, machin, truc. Avec l'image du Lord, et tu comprends pas quoi. Tu te dis, mais pourquoi mon frère il a. Pourquoi mon. Non, mais il a fait défaut, c'est pourquoi clair. Mon frère il a pris les papiers du Lord. Sachant que tu connais le Lord. Il a fait un faux. N'importe quoi, c'est bien le moment de faire des âneries comme ça. Edouard, tu vois bien qu'il était sérieux. On va se retrouver en prison par ta faute maintenant. Mademoiselle, prison, pourquoi? Prison? Non. Okay. Faites pas attention à ce que dit Madame Potter. Faites pas attention à tout ce qu'elle peut alléguer. Que savez-vous de la Luigi Pravuzud Vodska? À vos souhaits. Est-ce que ça se voit? En traduction, armée pour une justice populaire, LPV. Vous savez, rien du tout. Qu'est-ce que quelqu'un d'entre vous est un ancien combattant? Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait manier les explosifs? Pas du tout. Non, personne. Non. Vous. Il regarde ses hommes, il fait. Vous me fouillerez quand même les valises de la demoiselle. Bah, si c'est ma valise personnelle, je m'en fiche. Donc t'as... Oui, c'est ta valise personnelle. Ils prennent tes valises, le contenu est vidé sur le quai et t'as les hommes qui sont en train de disperser tes affaires à coups de bottes humides et boueuses. Quand tu regardes ça, t'es un peu choqué, quoi. Ça te fait chier, quoi. Oui, je leur demande s'ils cherchent quelque chose. C'est bon. Hein, vous. Et là, t'as le chef de train qui se dépêche de venir voir Gladys et désolé, on se porte garant. On va arranger la situation. Vous inquiétez pas, s'il faut vous payer des affaires, on vous payera des affaires. Je donne quand même un grand coup de coude à Edouard et je lui dis, tu vois, c'est de ta faute. Avec tes bêtises, des faux papiers, mais n'importe quoi. Je crois qu'on a besoin d'une sérieuse discussion, Gladys. On en parlera un peu plus tard. Oui, je suis d'accord, tu veux me repayer toute ma garde-robe, là, tu vois, hein. C'est bon. On reparlera. Vous pouvez ramasser vos affaires. Vous pouvez quitter la gare. Vu que je suis super énervée contre Edouard, je ramasse tout en vrac, je refiche tout dans le sac et je suis vraiment énervée contre toi, Edouard. Donc, après que tu aies ramassé tes affaires, en fait, il y a l'agent de la compagnie internationale des wagons-lits qui vient s'adresser à tous les passagers du train. Il s'excuse, puis il vous explique en fait que le train ne peut pas poursuivre vers Belgrade avant que la voie ne soit réparée. Ce qui va prendre minimum 3 ou 4 jours. En fait, les aiguillages ont été détruits par un attentat anarchiste, mais heureusement, personne n'a été blessé et vous, les passagers du train, vous n'avez jamais été mis en danger. Il finit son petit laïus en concluant par ce genre de choses arrive dans cette partie du monde. Alors, vous avez du monde qui est assez irrité par le délai et le comportement des autorités. Tandis que d'autres sont plus ou moins excités par cet événement imprévu. Vous avez vu partir avec la police quelques-uns des passagers, plus particulièrement des Autrichiens et des Russes. Je vois pas pourquoi. Donc l'agent de la compagnie des wagons-lits vous propose trois options. Vous pouvez rester à Vinkovzi et remonter dans le train une fois que le service sera rétabli. Vous pouvez chercher un autre moyen de transport pour Belgrade où vous pourrez reprendre le train.
où vous pouvez pardon, où vous pouvez rester dans le non, en fait, il vous existe ces deux options-là. Je raconte que de la merde, je fatigue. Ça y est, il est plus de 23h30. Ouais, ou vous pouvez rester, rester dans le train, en fait, en attendant qu'il reparte pour Zagreb, sachant que ça va durer 2-3 jours. Pardon, excusez-moi. Je propose... Donc, soit vous restez à Linkovzi sans rester dans le train, et voilà. Alors, on vous explique que la compagnie, si vous le voulez, a réservé et payé les chambres du pavillon de chasse Lovatchik Dvorak à destination des passagers souhaitant rester à Vinkovci. Ouais. On vous passe un petit dépliant en vous expliquant que le pavillon propose également des excursions de chasse et de pêche et que la compagnie les paiera aux passagers intéressés. Oui. L'agent vous explique qu'il espère que cela compensera la gêne occasionnée par ce délai. Un petit peu. Ça nous permettrait de faire une petite pause. Hein, on vous explique aussi qu'une fois arrivé au Lovatchik Dvorak, ce qui veut dire en serbo-croate, pavillon de chasse en fait, tout simplement, il vous conseille de ne pas en sortir en dehors des promenades encadrées par le personnel. Car Vinkovci risque de connaître des moments chaotiques jusqu'à ce que les autorités appréhendent des anarchistes. Ah, bande d'anarchistes. Ouais, ça nous fera un petit peu... Vous avez le choix en fait, soit vous restez dans le train que vous avez là, et vous attendez pendant assez longtemps. Moi je change pour dire... l'hôtel. Ouais, tant que c'est gratuit, en plus, ça se peut. Voilà. C'est offert. Ça nous mettra nos idées. Parce que... Vous faites quoi? Vous allez au Lovatchik Dvorak? Voilà, au pavillon de chasse. Donc il y a des porteurs qui déchargent vos bagages, qui prennent donc vos bagages et votre malle. C'est lourd. Non, à peine. Alors. Quelques souvenirs. Alors. Quelques souvenirs. Voyons voir. Ok, il faut que j'efface juste un petit truc. Hop, on va faire comme ça, c'est plus simple. Il faut juste que je fasse une toute petite tête de jeu. J'en ai pris deux secondes. Avant de faire une bêtise. Ok. Donc, ceci est le plan de Vinkovci. Et donc le pavillon se trouve ici. Merde. Je suis désolé. Et vous êtes donc vous à la gare en 7 là-haut. D'accord, de toute façon on s'occupe pas des bagages ni de rien du tout, on nous emmène là-bas. Ouais, on vous emmène là-bas. Pendant qu'on décharge vos bagages, qu'on vous affrète un véhicule, tout ça, on s'occupe de vous. Vous pouvez me faire un jet de toc, s'il vous plaît. Moi, je pense que j'ai un malus, vu que je suis à peine réveillé. Non. Ah bon. Puisque c'est ça, je réussis. Ah ben oui. Ok. Faut dire que t'es le seul d'entre nous qui a vraiment dormi. Edzami, Gladys et Yann, et même le Lord arrive avant, tu vas le voir. En fait, vous voyez une belle femme bien habillée qui sort soudain de derrière un portique pour se précipiter vers les toilettes des dames. Vous avez pu remarquer aussi dans un coin de la gare un homme portant le chapeau et le manteau imperméable d'un pêcheur tentant de suivre cette dame qui se précipite vers les toilettes. Mais apparemment, soit il a perdu sa trace, soit il y a quelque chose qui l'a arrêté. Vous voyez maintenant qu'il est, vos sens aux aguets vous signifient qu'il est maintenant en train de regarder la police d'un œil inquiet. Une personne locale?
Ou c'est quelqu'un qui descend du train? C'est du local. Et elle est partie dans la toilette des dames. Enfin, la fille est partie dans la toilette des dames. Je jette un coup d'œil à Gladys en lui demandant si elle veut pas aller faire un tour aux toilettes. Oui. Donc votre le fait d'être toujours paranoïaque à regarder toujours si vous êtes suivi ou pas vous prédispose à trouver des trucs bizarres en fait. Oui, je peux toujours y aller. ça me coûte pas grand chose effectivement. T'es saine d'esprit de toute façon. Tu rentres dans les toilettes et tu fais quoi? Il y a des portes de fermées. Je vais peut-être pas tout ouvrir. Non, mais j'attends, je me dis, je sais pas, je suppose que le but c'était de savoir un petit peu fais-moi cette Alison. Femme si elle était suspecte ou je ne sais pas. Fais-moi Alison. Oui, alors écoutez, dans les toilettes, c'est pas trop ce que j'aurais fait, mais bon. Et toi, t'entends. C'est osé, oui. Oh putain. Voilà, j'entends oui. Tout ce qui s'y passe, c'est malin maintenant, hein. Excellent. Pardon. Non mais c'est parce que c'est marqué. Mais non mais parce que c'est. Enfin. C'est hasard du scénario. C'est ça. Non mais ouais. Bon quand j'ai eu de la chance, j'aurais pu avoir ce mail à faire comme test. C'est finalement, ça. Je préfère écouter. Non. En fait, ce que t'entends, c'est comme si on était en train de charger un revolver. T'entends plouf. Ok. Non, t'entends ploc. Oui, si on entend caca. Ah voilà, qui dès que ça parle revolver, caca, c'est mort. Putain, je vais pas y arriver. Okay. Et ouais, j'entends nettement que quelqu'un est en train de préparer une arme. Bah. Pff. Oui. Je crois peut-être que je vais pas rester en fait, je vais sortir et je vais dire à Edouard écoute, je sais pas si c'est la femme qu'on a vue entrer, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a une arme à feu à l'intérieur. Il faut qu'on aille l'aider. Ben, l'aider de quoi? Enfin, on sait pas trop ce qui s'y passe. Non. Elle sort des toilettes. On l'intercepte, vite. En fait, le temps que tu dis on l'intercepte, tu vois que l'homme dans l'impair, qui avait l'impair là, se rapproche d'elle. Et soudain, elle est passée pas très loin de vous et elle vous regarde et elle vous salue. C'est exclamé en anglais. Elle arrive et elle t'enlace, toi, Vincenzo. Elle t'enlace et elle t'embrasse. Et elle murmure à ton oreille. Je suis suivi. Puis-je monter dans votre taxi avec vous? Ouais, je me souviens déjà de ces bonnes femmes dans les gares là. Alors, je vais juste te faire voir à quoi elles ressemblent. Parce que ça va peut-être donner si tu fais. Si est-ce que tu réponds? Ça peut changer beaucoup de choses. Ouais, bah ouais, on la prend avec nous, non? Bah oui, tu vois. On peut bien trouver une place. Elle te sourit chaleureusement et elle attend ta réaction. Venez avec nous, vous nous expliquerez ce qui se passe. Faites-moi un jet de toc. Comment réagit l'homme pendant ce temps-là? Justement, c'est ce que je vais te dire. Oh bah oui, je suis en pleine forme. Ok. Si, Yann. Yann, toi Vincenzo, t'es en train de discuter avec elle, donc je prends mon temps, ouais. Désolé. Gladys et Yann, en fait, vous voyez l'homme qui la suivait, qui s'approche d'elle et donc de vous. Il est en train d'appeler en cerveau-croix, donc vous ne comprenez pas quelque chose. Il est en train de héler dans la rue en même temps. Vous voyez que, en fait, votre sens a guéri du « il y a un truc qui se trame, il y a un traquenard, il y a un bordel » et en pleine alerte parce que vous voyez un camion de livraison qui se gare juste derrière votre taxi et il y a deux autres hommes qui en sortent et vous voyez clairement qu'ils sont en train de s'approcher de vous et qui dirigent vers Yasmina. Alors... On ne peut pas rester là alors. Jasmina, je sais pas s'il faut dire Yasmina ou Yasmina, je sais pas. Yasmina, je pense.
Alors, hop. Non. Donc, en gros. Battle map. Battle map. Garde, Vinkovic. Vous êtes. Alors, hop. Je vous tire d'ici. Je sais pas quelle heure il est parce que putain. 23h40. On va voir. Si un combat se déclenche, on va pas. Enfin, si quelque chose se déclenche, on va voir. Alors, hop, je vais vous mettre. Alors, on va dire que. C'est en couleur en plus quand même. C'est à noter. Oui, c'est toi qui as fait la carte. Non, c'est pas moi, elle est chouette, ouais. Il y a même les bancs. Ouais, c'est pas moi, elle est chouette, ouais. Les lavabos. Ah. Excuse-nous. Putain. Ça y est, le temps que ça me prend, mon enfoiré. Alors, attendez, bougez pas. Ouais, j'ai trouvé. J'ai pas eu le temps de la faire. Moi. Mais elle est bien. Putain. Donc, vous êtes tous là. Tac, elle est où elle, la petite dame? Et ben voilà. Yasmina, elle est à côté de vous. Enfin, elle était plus ou moins dans le bas de Redjani. Donc, en gros, ça fait ça. Ça, hop. Et vous étiez plus ou moins. Je vais vous mettre plus ou moins là par là. Tac, tac. Et sortie des toilettes et tout ça. Et. Elle était à côté de toi comme ça, voilà. Et en fait, devant. Alors attendez. Hop. Devant ici, en fait, les escaliers donnent sur la rue, là. D'accord ? Mm-hmm. C'est pour ça que devant, ce que vous voyez pas, c'est la rue où les gens se garent et tout ça. D'accord ? D'accord. Et donc, vous en avez. Vous en avez un. Qui est. En train de se rapprocher d'elle. Oh putain. Hop. Qui est ici. Qui ressemble à ça. Je pense qu'on va poser le truc et qu'on va arrêter là pour ce soir parce que j'ai peur que. Donc il est en train de s'approcher d'elle. Voilà. Il ressemble à ça. L'homme à l'imperméable de pêcheur. Oui, c'est celui-là. Alors, sur la photo, il a pensé à l'imperméable de pêcheur, mais bon, on s'en fiche. C'est la tête qu'on regarde. Il ressemble à ça. Et donc, pour vous décrire, il y a donc deux autres hommes qui descendent du camion et qui arrivent par les escaliers. Hop. Qui sont donc. C'est possible. Et on a un autre qui arrive par les escaliers, qui est descendu du camion. Ok. Et son collègue aussi. Celui-là. Qui est descendu par les escaliers. Voilà, comme ça vous avez tout le monde qui est là en présence. Il y a des policiers sachant sur le que okay. Oui, ah bah oui, c'est grouillant de policiers, eux je les montre pas. Sachant que vous avez vu clairement qu'il y en a un qui attend dans un camion, pardon. Qui attend dans un camion sur la rue. À quoi ressemble cela? Donc hop là. Voilà, donc, parce que là c'est en petit sur les deux, vous voyez pas forcément. Hop là. Tac tac. Et. Oh, si là vous l'avez eu. Ah oui, c'est... que des têtes ardentes. C'est ça. Ouais. Celui-là. Une bonne tête aussi, celui-là. C'est Igor. Ok, donc tout le monde se dirige
clairement vers la charmante demoiselle. Vous allez faire quoi? Et elle vous dit oui. Elle vous dit emmenez-moi avec vous. Dans ces conditions, l'accès au taxi est relativement limité. Si je on peut passer par les autres escaliers? Oui, vous pouvez. Eh bien, sinon, on peut utiliser la police. Hein. Bah, ils ont des armes visibles ou pas, ces types qui s'avancent sur nous? Pour l'instant, non. Non, rien. Tu vois fait. Pas, tu vois pas d'armes visibles. C'est juste le temps que je mette tout en place là, c'était un peu long. Ouais, non, mais s'ils ont rien de visible, moi je propose que oui, on passe par un autre chemin. Enfin, on n'a qu'à pas les attendre. On passe par un autre chemin où il y a que des gens, où il y a, on va dire, il y a de plein de policiers et tout ça là. Vous faites quoi? Les forces de l'ordre. Donc on va par là, je pense. Okay, donc. On va à notre taxi, on met en sans rester isolé. À peine vous arrivez par là. Je sais pas comment vous faites, si vous lui dites suivez-moi ou je sais pas ce que lui dit. Oui, oui. Enfin, en gros, vous vous mettez autour d'elle, quoi. Oui, garde du corps. Moi aussi, je veux un bisou. Moi aussi, je veux un bisou. Le premier qui est au plus près, vous pouvez voir qu'il sort un couteau. Et. Oh. Il sort un petit couteau. Et vous voyez les deux autres là qui descendent de l'escalier. Qui sortent. Moi je me mets à hurler. Ils ont des revolvers, c'est ça que t'as dit? Ouais. Et vu qu'il y a plein de policiers, de flics dans le truc, je me mets à hurler qu'il y a quelqu'un qui a une arme. Paris. Ok. Mais ça va pas suffire à ce qu'il se passe quelque chose. Le temps que ça réagisse, tu te doutes bien qu'il. Ouais, et puis ils comprennent pas l'anglais, peut-être alors. Qui va se passer des trucs. Ok. Alors. Moi, j'empoignerais plutôt la femme et je la ferais s'écarter. Parce que je suppose que c'est elle qui est visée. Hein? Je suppose que celle qui est visée, c'est la femme. C'est la femme qui est visée. Ouais. Est-ce que vous avez vos armes sur vous? Qu'est-ce que vous avez sur vous? Ah ouais, vos armes. Moi, j'ai mes poings. Moi, j'ai mes poings, mon pendule. Ma tête. Vous savez que vous venez d'être fouillé. On vient d'être fouillé, hein, c'est délicat. Moi, j'ai peut-être ma canne. Canne épée, non? Après, vous avez moyen de vous enfuir. Vous n'êtes pas obligé d'affronter. Hein. Vous avez moyen de vous enfuir par là. Hein. Sauf que lui, là, il sort un chelasse. C'est un ouais. peu l'idée à la base de partir par là. Ouais. Le seul truc, c'est que. Je vais pas vous laisser partir comme ça et enfin je vais pas vous laisser. Donc vous êtes tellement à côté de celui qui était déjà présent dans la gare qu'il va essayer de mettre un coup de couteau au Lord qui se trouve juste devant en lui intimant. En fait voilà, il se rapproche de toi et avec son couteau il essaye de t'intimider pour se faire reculer pour accéder à la petite dame, Yasmina. D'accord, moi je hurle et en hurlant je donne un coup de pied pour le désarmer en fait. Ok, donc on va se faire un petit combat. Brawl. Hein? Hop là. C'est brawl? Toi c'est fighting brawl. Et moi c'est ma compétence au couteau. Je crois. Putain, ça y est, comment on fait les combats? C'est reparti, je sais plus. Bon, allez, on combat fait. Au corps à corps. C'est soit on esquive, soit on... Voilà. on attaque. Soit tu esquives, soit tu attaques. Donc, donc j'attaque. Donc t'attaques. Moi je t'attaque au couteau, c'est celui qui fait la plus grosse réussite. On est d'accord? C'est ça. On est d'accord. Hard success, sachant que. Donc du coup je réussis. Mais, oui. On est d'accord? Oui, oui. Je peux. Vous voyez, en fait, vous voyez un espèce d'énorme couteau. Enfin, pas énorme, mais une lame super lave. Un couteau que vous n'avez pas forcément vu partout. C'est pas un couteau de boucher, c'est pas un couteau. Vous savez, il est un peu. Il est vachement incurvé. Il a une poignée qui est jaune. Peut-être pas de l'or, mais c'est jaune. Ça ressemble un peu à un couteau arabe, à un couteau. Mais c'est pas le couteau normal, on va dire. Ok, donc il te fait les dégâts. Hop là. Alors. Euh,
tu vois que quand le couteau rentre dans ta chair, tu sens comme une grande sensation de froid. Ça se sent pas bon. Ok. Que faites-vous ? S'il a osé toucher à mon frère, je pousse la bonne femme qui est devant moi, donc j'ai rien à fiche et je vais aller directement lui en mettre une. Si je peux. Alors, c'est à toi de jouer de façon Gladys. J'ai ouvert le combat tracker, hein, si ça vous intéresse. Je sais pas quelle heure il est. Enfin, tu la pousses pas, tu la tires en arrière plutôt. Je l'écarte de mon chemin en fait. Ton frère elle me gêne. Elle me gêne, tu vois, alors je la pousse dans les bras de Ian Steven ou de. Oui, puisqu'il est à côté. Et je vais mettre une droite à celui qui okay. a osé. Donc moi, je rends les coups. Attaquer à Edouard. Moi, je rends les coups à l'arme blanche. Ok, donc tu vas à Fighting Brawl avec lui. Tu jettes. Moi, ça va être très chaud. Tu fais une réussite. Sur mon nom, voilà. Oh, ben voilà, j'ai réussi rien du tout. Attends, j'ai pas fait mon jeu. Moi, c'est celui-là. Double ton jet. C'est celui-là. Ouais, enfin, 70. C'est celui-là. Tac. C'est que j'étais trop énervé, c'est pour ça. 70 quand même. Pourquoi il veut pas me le prendre, celui-là ? La petite seconde, hop là. Voilà. Hop là. Ah bah voilà. Je t'avais pas visé avant, c'est pas grave. On est donc sur l'extrême. Tac. On devait pas le faire la prochaine session, le combat. aussi, mais. Ça a tourné court, je crois, de toute façon. C'est Gladys, hein. Oh putain, je crois que je peux la tuer. Sans déconner, je crois que je peux la. 5. Alors non, tu ne me tues pas. Non, tout voilà. va bien. Ok, Gladys tout vient, va bien, vient encore. Pas, mais... Gladys vient de se prendre un coup de couteau. Donc ça a joué. Lui, les deux lascars se rapprochent à ce tour-là et vont directement essayer de prendre la miss machin. Donc Andro Turato, il jouera pas, il s'en fout. Le Lord. Moi je m'en prends à celui qui est en face. Ouais. Et puis j'essaie de le désarmer toujours. Ok. Ok. Ah. Donc moi c'est Andro. Attends non c'est pas Andro, c'est Jacob. Ok donc moi je rends les coups. Je suis à 70. Je fais un régulier. J'ai fait un hard. Ouais. Tu peux même dépenser un pour faire un extrême hein, si tu veux mettre tes dégâts dessus. Oui, c'est ce que je vais faire. Ouais. C'est ce que je vais faire. Ça augmente les dégâts, c'est ça ? Ouais. Un bel extrême, ouais. Ok, c'est bon. Du coup, tu cliques la petite. Parce qu'on a rien fait. Putain, on s'est mal démerdé pour. Ouais. Tu cliques la petite bulle de sang. Attends. À côté des dés. T'as un petit plus goutte de sang et tu fais tes dégâts. Sur moi, tu es sur moi. Tu es sur moi, c'est top. J'arrive pas. Tu vois aussi, c'est à côté du D20, mais c'est à côté du D20, mais c'est en gris en fait. C'est à côté du D20 en gris, si tu cliques dessus, ça devient rouge. C'est à côté du plus 2 des bonus, plus 2 des pénalités. Ah oui, c'est tout petit. Plus 2 des bonus. Ah oui, ok. C'est là, quand c'est pas automatique, c'est là. Et je fais quoi après? Après, tu fais tes dégâts en glissant sur mon token sur la battle map. D'accord. Ou dans le combat tracker. Ça me prend pas sur le token. C'est pas grave. Quoi? Un D3 plus DB. Ah oui, t'as pas de DB peut-être. T'as pas de D bonus. Ah bah non, t'as pas de D bonus. Et non. Tu lances un D3, ça va servir à rien. Ouais, putain la vache. Mais si, parce que tu es censé faire 3. Censé faire dégâts max sur ton D. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Ouais. On s'en fout. Je les prends. C'était sur. Sur Jacob, c'est ça. Sur le mien qui s'appelle Jacob. Ok. Ok. Lui. Ben non, j'ai dit qu'il allait en bas. Il s'est pris quand même. Mais ça a fait mal. Il se casse. Il se casse derrière. Hop, il va par là.
il vous parle en anglais, dites laissez-la partir. Vincenzo. Vincenzo? Oui. Bon, alors il part. Il part pas, bah, il va se réfugier à côté des deux autres parce que les deux autres sont en train de sortir des armes à feu en fait. Bah, je vais m'esquiver avec. Comment ça s'appelle déjà, Yasmina là? Yasmine. Je vais partir par l'entrée de droite. Ok. Je fuis quoi. Je veux te dire que tu peux arriver. Tu peux la protéger comme ça quoi. Ouais, voilà. Yann Stevens, tu fais quoi? Tu sors ton pendule? Non. T'as trois gros malabars devant toi. Ouais, mais moi je suis grand. Donc je j'ai aucune arme ni quoi que ce soit. Je ne fais que les gêner. C'est-à-dire qu'ils ne puissent pas poursuivre Vincenzo et sa nouvelle amie. Genre le boulet. Ils sortent des revolvers. Hein. Et il était clairement identifié comme étant un groupe casse-couille. C'est le terme technique. Je lève très haut mes mains pour dire que je me rends. Voilà, c'est mieux ça. Mais je reste au mieux pour les jeunes. Enfin, je veux dire, je leur facilite pas la tâche. Ok, enfin, okay, on verra ce qu'ils font à leur tour. Gladys, tu fais quoi? Je saigne surtout, donc. Oui, c'est vrai, tu saignes. Oui. Moi, la fille est en train de se barrer, je vais aller vers Vincenzo. Ok. J'ai vu partir, donc je vais... Hop. Okay, okay. Mais la police aux alentours, ils bougent pas. Ils arrivent, mais ce qu'il y a, c'est que c'est hyper rapide les tours. En fait. Tu vois là, en fait, tu as les flics qui commencent à mettre leurs armes et qui commencent à arriver sur vous. Mais c'est le dernier tour, en fait, et le tour prochain, les flics sont là. C'est pour ça que t'es là qu'il est un peu... ok. D'ailleurs, Tourato, en voyant les flics arriver. Et surtout ma présence. Il entend surtout un sifflet de police. Les mecs remontent par les marches et veulent se barrer. Et c'est même pas qu'ils veulent se barrer, c'est qu'ils se barrent. Le dernier là, celui qui ressemble à rien avec sa petite moustache là, il te regarde et il fait on se retrouvera. Non, par contre, on sert beaucoup à donc tu comprends pas. D'accord. Enfin, tu supposes que ça veut dire ça. Il te dit un truc pas très très gentil. D'accord, mais je fais un signe de la main, moi. C'était à Yann. J'ai dit au Lord, non, c'était à Yann. Ah ouais. D'accord. Et moi, je dis aux policiers, ils sont partis par là. Vincenzo. Oui. Tu vois que Yasmina, je pense que c'est Yasmina. Tu vois qu'Yasmina en fait avait sorti un 38 un petit 38 de son sac. Ouais, je dis ranger ça, c'est bon, on a plus besoin. La police arrive de par là, eux sont en train de repartir, ils montent dans leur camion. Ça commence, la police commence à tirer et à demander à tout le monde à s'écarter. Oui, je m'écarte. Non, ne recourez pas après monsieur Stevens. Et Yasmina s'engouffre aussi par là car. Merde, c'est pas Yasmina. Car il y a un taxi qui est là ici, prêt à vous attendre, à vous emmener au pavillon de chasse. Attendez, ne m'abandonnez pas, j'ai trop peur tout seul. Ah, vous voyez qu'en fait, elle, Yasmina, elle court et elle se met carrément. Elle court là, elle regarde. En fait, elle regarde les mecs qui sont en train d'entrer dans leur bagnole. En fait, tout le monde est en train de simultanément rentrer dans les voitures et elle s'engouffre dans le taxi en regardant vite fait à gauche. Elle s'engouffre dans votre taxi. Vous faites quoi? On peut la suivre ou pas? Ah oui, vous avez le droit de la suivre. Oui, c'est notre taxi. Ouais. Juste les flics arrivent. Oui, c'est le vôtre, oui. Il était prêté pour vous, il y a toutes vos valises dedans et tout. C'est juste qu'elle la monte dedans. Et vous entendez les flics derrière qui sont en train de donner des coups de sifflet. On continue. Il y a du monde sinon autour de nous à la sortie de la gare. Oui, c'est bourré de monde, donc c'est pour ça. C'est bourré de monde. Il y a un peu de monde. Les gens s'écartent et tout. Par contre, vous voyez clairement toi, le Lord, et ça sera la fin de ce soir.
tu vois clairement qu'il y en a deux qui sont... Alors donc, il y avait quelqu'un qui était au volant de la voiture du véhicule des malfrats. Tu vois clairement que les deux premiers ont réussi à monter. Que le troisième était un peu à la traîne. Que les flics sont vraiment sur leurs pas à l'escalier. Que les mecs, en fait, ils le laissent. Car ils démarrent leur voiture pour se barrer, pour pas être pris par la police. Et en partant, ils foutent une balle au mec qui reste à la gare. Le mec qui était avec eux. J'ai pas entendu, il lui tire une balle dessus. Il tire dessus, il tire une balle en pleine tête sur le mec qui reste. Et il s'effondre aussi.